Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez, moi c'est Stéphane, héritor du professeur Moussa Cissé. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale, une vidéo très spéciale dans laquelle je vous annonce déjà que le professeur sera en direct à partir de 15h30 et vous dit aussi dans cette vidéo, on va faire la biographie du feu et grand professeur Mohamed Cissé. Parce que c'est pas pour se justifier, mais je vais essayer de faire comprendre à nos abonnés les vrais, ceux qui nous soutiennent vraiment, ceux qui croient vraiment à tout ce qu'on fait ici, et ceux même qui expérimentent tous les secrets que le professeur leur donne. On va vous expliquer pourquoi on aime dire par exemple, dans notre mouvement, il n'y a pas poteau. On aime vous dire par exemple que quand le professeur Moussa Cissé vous donne quelque chose, essayez. Au lieu de vouloir dire que c'est du n'importe quoi, au lieu de vouloir raboyer le travail de ce monsieur-là, au lieu de vouloir diminuer ses sacrifices qu'il fait, parce qu'il a une pensée pour tous ses semblables, pour son prochain, parce que il faut avoir beaucoup d'amour pour pouvoir le partager avec autrui. C'est ce que vous devez comprendre un peu. Parce que c'est bien beau de vouloir critiquer, c'est bien beau de vouloir critiquer, mais apprendre à mieux connaître la personne, c'est important. C'est en cela que, dans cette vidéo-là, comme je vous ai dit, je vous rappelle encore que le professeur sera en direct à partir de 15h30 et ce sera un très gros direct comme d'habitude. Donc, soyez connectés, partagez ce direct-là pour informer tout le monde. Mais il est très opportun de vous parler aussi de son père. Je vais vous résumer un peu brièvement ce que c'est, mais ce qui est le professeur Mohamed, feu professeur Mohamed Cissé. Voilà. Respectez vos trésors pendant qu'ils sont vivants. Respectez vos grands hommes pendant qu'ils sont vivants. Parce que le professeur Moussa Cissé est un grand homme. Voilà. Tout ce qu'il se fait aujourd'hui se justifie par le travail acharné de longue haleine qu'avait fait son papa. C'est juste un héritier. Voilà. Comprenez un truc. Dans la vie, Dieu a décidé de bénir certaines personnes. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas béni, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas des enfants de Dieu, mais il y a des exceptions. Et professeur Mohamed Cissé et son fils Moussa Cissé sont des exceptions. Parce que ce qu'ils font ici, ce que professeur Moussa Cissé fait ici, aucune personne ne le fait. Voilà. Parce que comme on le dit, c'est bien beau de donner un poisson à quelqu'un. Parce qu'on pense que la personne a faim, ou bien on pense vouloir étancher la faim de ce dernier-là. Mais c'est encore plus intéressant d'apprendre à cette personne-là de pécher. C'est en cela que le professeur dit, il veut vous transformer vous-même en vos propres guérisseurs, en vos propres marabouts, en vos propres spiritualistes. Voilà. Il y a des secrets qu'il ne peut pas vous donner, parce que, comme on dit, il faut toujours garder une réserve pour montrer ta suprématie dans un domaine. Sinon, tous ceux qui essaient les secrets que le professeur Moussa Cissé donne, vont témoigner. Voilà, c'est pas du fétichisme. Je vous ai déjà dit que c'est juste des secrets qui sont là, que Dieu a fait et a accordé à certaines personnes de connaître. Et au lieu de les marchander à des prix exorbitants, il vient vous les donner gratuitement en direct. Regardez par exemple le direct sur les signes de la main. C'est quelque chose que le professeur Moussa Cissé fait avec beaucoup de maestrie, beaucoup d'aisance, et il le fait gratuitement. D'autres personnes les feront à des pays exorbitants. Bref, maintenant, je vais vous résumer rapidement qui est feu professeur Mohamed Cissé. D'abord, ce qu'il faut savoir, feu professeur Mohamed Cissé est l'un des plus grands, je dis bien des plus grands spiritualistes qu'a connu l'Afrique. Je pèse mes mots parce que il a à son actif plus de 1800 cassettes. Plus de 1800 cassettes. C'est pour vous dire que le chiffre même n'est pas rond. Et c'est plus de 1800. Mais le chiffre qu'on a arrêté, c'est 1800 cassettes. Et vous imaginez que dans 1800 cassettes, il y a plus de, je vais dire, plus de 100 séries dans une seule cassette. Vous voyez comme c'est monstrueux. Faites le calcul. Faites vous-même le calcul. Vous allez comprendre un peu la valeur de ce monsieur, la grande valeur de ce monsieur-là. Pour ceux qui ne le savent pas, professeur Mohamed Cissé est né en 1947 à Wayangoro. Vous comprenez un peu? C'est à cette date-là qu'il est né. C'est-à-dire, si le professeur Mohamed Cissé vivait actuellement, il aurait eu, quand je fais le calcul, 1960, 59 ans, 1960,
50. Il aurait eu 72 ans. Il aurait eu 72 ans. Donc, sachez que c'est quelque chose de grandiose. C'est énorme. Voilà. Pour mieux faire les choses, je vais vous le lire. Voilà. Comme je disais tantôt tout à l'heure, le professeur Mohamed Cissé est né en 1947 à Wayangoro, dans le sect de Bankass, région de Mopti, où vécut l'un des plus grands maîtres spirituels, et il s'appelait Sekusala. Celui-là même qui fut le premier père spirituel du grand professeur, éminent professeur Mohamed Cissé. Est-ce que vous comprenez un peu? Je continue la lecture. À l'âge de 15 ans, je vous dis bien, à l'âge de 15 ans, le professeur Mohamed Cissé quitte les siens, c'est-à-dire il quitte la famille, il quitte le cocon familial et il décide d'aller à la recherche du savoir. Son parcours de voyage à travers le monde lui a valu 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans de période, 30 ans de voyage. C'est pas petit. Vous imaginez quelqu'un qui quitte sa famille et il décide de parcourir le monde à la recherche du savoir et il vous fait 30 ans de recherche. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui respectent professeur Moussa Cissé parce qu'on sait qui vraiment était son père. Pour ceux qui connaissent son père, ils savent que ce que je suis en train de dire là-même, c'est petit, mais c'est juste un bref résumé de sa personne que je suis en train de vous donner. Donc, ces 30 ans de voyage extraordinaire lui ont permis successivement de côtoyer quelques érudits, voilà, par les bois, par les champs, c'est-à-dire il a passé par les bois, par les champs, par la forêt, par des pistes, dans la savane, à travers le désert et même sur la route. Tellement il était un homme curieux et assoiffé de connaissances, il a appris tous ses secrets, il a appris toutes ses connaissances auprès de grands spirituels. Je vais vous citer les noms. Sekusala, qui est son premier père spirituel, et El Hadj Bakari du Mali, Mohamed Mahaman de la Mauritanie, écoutez-moi bien, hein? El Hadj Mahmoudou Fall du Sénégal, El Hadj Mahmoudou Souaré de la Gambie, Ousmane Fodia Kono du Nigeria, le sage Assanda du Nigeria, Aza Kalbati, Éthiopie, Mohamed Hal Fouzoudou, Algérie, Aliou Zou Sa Sou, New Delhi, en Inde. C'est pour vous dire que le professeur Mohamed Cissé, ce n'était pas quelqu'un qui faisait dans la dentelle. Il a parcouru le monde entier à la recherche de savoir, à la recherche de connaissances. Voilà, donc quand vous voyez aujourd'hui son fils, professeur Moussa Cissé, être aussi à l'aise sur ces sujets du secret, c'est parce que c'est juste un héritage. Et cet héritage-là, ça ne vient pas d'eux-mêmes. C'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui a mis ça en eux. Parce que pas, tout le monde n'est pas spiritualiste qui veut. Voilà, tout le monde n'est pas spiritualiste. Et il y a des faux spiritualistes et il y a des vrais spiritualistes. Voilà. Si je suis ce monsieur jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce que j'ai pris le temps de lire les passages sur son père, de lire la biographie de son père que je suis en train de vous partager gratuitement ici. Beaucoup de personnes seront prêtes à payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour découvrir qui était vraiment le professeur Mohamed Cissé. Mais je continue dans ma lecture. C'est au cours de cette aventure, c'est-à-dire c'est au cours de ces 30 ans de voyage-là, extraordinaire, que le professeur Mohamed Cissé détient, pour ne pas dire devient un wali, c'est-à-dire un saint de Dieu chargé d'une mission spirituelle. Il faut avoir un cœur pour aider son prochain. Comme je vous disais en prélude dans ma vidéo, c'est bien beau de vouloir donner du poisson à quelqu'un parce qu'il a faim ou parce qu'il en a besoin, mais c'est mieux de lui apprendre à pêcher. Et ça, c'est un proverbe chinois. Donc, j'adresse un message à toutes ces personnes-là qui jalousent le professeur dans le secret, qui envoient des personnes pour venir dénigrer le professeur pendant qu'il fait ses directos en commentaire, de bien écouter ce que je vais dire maintenant. Il est bon de soigner ou de faire du travail pour un client ou bien pour une tierce personne. Mais lui donner les recettes pour qu'il puisse se soigner est grandiose devant Allah, le Tout-Puissant, devant Dieu.
Outre l'aisance dans l'explication des sourates du Coran, le professeur Mohamed Cissé nous étonne avec sa maîtrise des connaissances des plantes. Déjà des plantes, quoi. En effet, il nous fait admettre l'hypothèse selon laquelle chaque plante correspondrait à un sourate, à une sourate. Excusez-moi. Plus étonnant, le plus curieux encore, c'est qu'il nous révèle les secrets de la longévité et de la santé qu'avaient nos ancêtres. Parce qu'avant, ce que vous ne savez pas, avant, les gens partaient jusqu'à 300 ans, 400 ans, 500 ans, 200 ans, 250 ans. Mais maintenant, malheureusement, on constate que les gens meurent vite parce qu'ils sont ignorants de beaucoup de choses. Tout est autour de nous, mais comme nous avons été bercés par l'Occident, comme nous avons été colonisés par l'Occident, on n'écoute pas nos frères, on n'écoute pas ces grands hommes-là qui nous parlent. Peut-être parce qu'ils ne sont pas trop médiatisés, mais concentrez-vous sur vos cultures, concentrez-vous sur vos propres valeurs. Et ces valeurs-là, c'est le professeur Mohamed Cissé, c'est le professeur Moussa Cissé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Mais je parle de celui que je connais, et celui que je connais, c'est le professeur Moussa Cissé. Laissez les gens parler, les amis. Je profite aussi en même temps dans cette vidéo pour vous dire que j'avais annoncé des témoignages. Donc ceux qui souhaiteraient envoyer leurs témoignages pour qu'elles soient diffusées en direct, pour que le monde entier sache que le professeur Moussa Cissé n'est pas dans le faux. Tout ce qu'il dit est bel et bien vrai et marche à coup sûr. Je vais vous donner ces numéros-là sur lesquels vous allez envoyer soit vos vidéos de moins de 3 minutes et vos audios. Le premier numéro, c'est mon numéro. C'est le plus 225 57 73 33 09. C'est mon numéro plus 225 57 73 33 09. Et le deuxième numéro, c'est le numéro du professeur, le plus 223 65 00 02 02. Le plus 223 65 00 02 02 02. Donc, veuillez. Nous envoyer vos témoignages, vos audios, vos vidéos. Vos vidéos, ce sont des vidéos moins de 3 minutes pour qu'on puisse les diffuser, pour que les gens sachent que le professeur Moussa Cissé est un homme de Dieu, est un homme que Dieu a béni et qui est destiné à aider ses semblables, qui est destiné à aider son prochain. Donc nous comptons vraiment sur votre courtoisie pour nous envoyer votre témoignages, pour donner vos différents témoignages afin que les gens puissent savoir que le professeur Moussa Cissé est un homme de Dieu, est un homme que Dieu a béni, est un homme que Dieu guide, qui a hérité toutes ces connaissances-là de son père. Voilà. On dit les chiens n'accouchent pas les chats. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc en résumé, le professeur Mohamed Cissé, date de naissance 1947, il est né à Wayangoro. Et il a parcouru le monde à la recherche du savoir et de la connaissance auprès de grands, grands spiritualistes qu'ont connu beaucoup d'Africains en Afrique ici. En tout cas, laissez les gens parler et continuez de suivre le professeur, continuez de vous abonner. Et tout ce que moi je vous demande, pour ceux qui sont curieux, essayez ce que le professeur vous dit. Essayez seulement. Et vous en témoignerez aussi. Voilà. C'était ça la biographie du professeur Mohamed Cissé. J'espère que je vous ai donné quelques informations intéressantes dans cette biographie-là. Veuillez partager massivement la vidéo et sachez que le professeur vous aime et il vous donne rendez-vous à 15h30.